Bébé, je voulais acheter chez la dame qui nous vend un crédit, mais elle m'a renvoyé. Elle m'a même détaché ses chiens. Chérie, tu as quoi? Mon bébé, tu as quoi? Tu penses à tes entreprises qui sont en faillite? Chérie, parle-moi, non. T'inquiète, bébé, ça va aller, d'accord? T'inquiète, Dieu va tout gérer. C'est lui qui a le dernier mot, le propriétaire. Tu as compris, mon chéri? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est madame Océane? Oui, c'est moi. Ok, je suis monsieur Romain du service notarial. Et je viens de la part de votre défunt grand-mère qui vous a désigné comme principale héritière de ses biens. Et là, vous avez 100 millions. Elle vous a légué un bien de 100 millions que vous devez. Attends. Quoi? Monsieur, vous venez de dire quoi? Elle a gagné quoi? Sa grand-mère là, lui a légué 100 millions. Attends, calme-toi. Mais le. C'était 100 millions! 100 millions? Oui. Donc, bébé, ta grand-mère qui est décédée là, elle t'a laissé 100 millions. Oui, chérie. Monsieur, c'est ça que vous avez gardé comme ça? Non. Maintenant, il y a un petit souci. Le souci, c'est que vous devez avoir un compte entreprise pour pouvoir virer les fonds. Oui, mon mari a une entreprise. Mais votre grand-mère vous a viré l'argent, c'est pas votre mari. Elle a monsieur, mon mari, c'est moi. Moi, c'est mon mari. Non, ça là, il n'y a pas de souci. Les 100 millions, c'est rien. T'as vu, chérie? Oui. Ok, dans ce cas, le lundi, il va me rejoindre au cabinet pour. Avec les documents. Mais on doit venir dans quel cabinet? Tenez ma carte et appelez-moi. Ok, d'accord. D'accord, monsieur. Bon. Je vous souhaite un bon après-midi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Non, c'est rien. D'accord, monsieur. Merci, hein. Non. Chérie, attends. Donc, ta grand-mère là, elle t'aimait vraiment. Oui, là. Elle m'aimait vraiment. Hein. Elle te remercie. Jusqu'à t'as laissé 100 millions. Ah! Donc, tu as changé. Hé, hey, mon ami. Oui. Faut nous donner deux clopes. Deux clopes, ça, on vient de taquer. Deux pièces, fais vite, fais vite. Hé, hey, mon frère. Hey. Regarde la fille là. Hé, hey. Elle a des gogos, hein. Hey. C'est sûr que je ne connais pas la fille là. Non, tu as mangé ça. Hey, moi, j'aime pas ça là. J'aime pas ça. C'est la fille là. Le gars qui reste là-bas là, c'est lui qui a épousé la fille là, non. Quel gars? Le gros là. Le gros là. Lui qu'ils ont dit que c'est sa femme qui l'a donné l'argent. C'est ça. C'est lui. Ah! Mais le gars là, il est méchant. Hein. Moi, j'ai entendu tout ce qu'il a fait. Il est méchant. Hein. Tu vois, non. C'est la fille là qui avait l'argent, tout. Et la fille a confié l'argent. Il a pris l'argent là, tout pour dépenser. Maintenant, actuellement. Il dépense sur les femmes seulement. Toi, tu as bonne nouvelle. Maintenant, il a laissé déjà la femme là. J'ai entendu qu'il a laissé la femme là. Tu vois, elle a été punie. Maintenant, regarde la femme là, elle marche en pied. Ah. Il a vidé la femme là complètement. Ah. Et maintenant, lui fait sa vie. Ah. Ah. Les hommes n'est pas bon. Non, c'est pas moi là, moi je ne peux pas faire ça. Ah. Moi aussi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Vraiment, il est méchant. Il est méchant. Non, fatigué, il a plus ça là. Non. Tiens, on peut faire ça. C'est pas bon. Il a ruiné là. Bonsoir, chérie. Oui, ça va. Ça va, comment je vais? Ah, oh, désolé si je suis pas avec votre. J'étais avec mes copines, on a picolé les champagnes. Oh, c'était tellement chaud, quoi. dis-moi, est-ce que tu as payé le ciment au moisson? Oui, j'ai payé ça depuis le matin. Ok, d'accord. Merci beaucoup, mon chéri. J'oubliais. Les 20 000 que tu m'as demandé, j'irai à la banque te prendre ça tout à l'heure. Tu as compris? Attends, donc depuis le matin, tu n'as pas pensé à m'envoyer l'argent que je t'ai demandé? Bon, c'est pas ce que mais tu as le temps d'aller fêter avec tes copines. Ah bon? Tu sais, l'argent de SBE que tu m'avais remis le matin là, je pouvais enlever ça dedans. Mais juste aller payer l'SBE. Je vais te remettre ça quand même. Si je ne suis pas à la banque, je vais retirer pour te remettre ça. Je sors tout à l'heure. Tu peux me laver la voiture, je vais sortir avec tout à l'heure. Attends, bébé, ça devient trop. Quoi? Ça devient trop. Qu'est-ce que j'ai demandé de trop? Attends, là? Attends, c'est pas parce que ta grand-mère t'a envoyé de l'argent. D'abord, tu as passé par derrière pour aller récupérer l'argent seul, sans mon consentement. Ah ouais? Je sais que c'est ton argent. Attends, quand j'avais l'argent, quand mon entreprise travaillait, quand ça marchait bien, dis-moi, quand je dépensais mes sous toi, est-ce que je te faisais ça? Bon. Je ne te faisais pas ça. J'ai pas besoin de te faire ça. C'est notre argent. Moi, je considère que c'est notre argent. Mais pourquoi? Aujourd'hui, maintenant, tu sais que ça ne va plus chez moi. Parce que ta grand-mère t'a envoyé l'argent. Tu as l'audace de me commander. Mais d'aller te laver ta voiture. Est-ce que c'est trop demandé?
Chez moi, c'est trop demandé. Ah bon? Tu exagères. Et tu penses que, à cause de ton argent, tu vas t'obéir? Je te dis non. Si c'est que tu ne vas pas obéir, c'est que je rentre chez mes parents. Mais vas-y, rentre. Ah bon? Fais ce que tu veux. Ah bon? Hey, je savais que c'était ce que tu voulais. Donc, c'était ton plan, quoi. T'allais chez mes parents. Tu peux aller chez tes parents. Ok. Je ne peux pas vivre je avec toi vois. Comme ça. Donc, c'était ton plan. D'accord, pas de souci. Tout d'abord, ici, c'est pas chez toi. Ici, c'est mon argent qui est payé. Donc, entre nous deux là, c'est toi, tu dégapis de ma maison. Attends, tu es en train de me renvoyer de chez toi, c'est ça? Oui. Attends, tu oublies vite un bébé. Et puis? C'est abusé. Je m'en fous. Tu as le choix. Soit tu laves ma voiture et tu fais tout ce que je veux, soit tu... Ouais. Si c'est ça, je préfère aller. Je préfère aller vivre seul que de rester là avec ta voiture. Ah ouais? T'es guépi. D'accord. Tu vas quitter. Aujourd'hui même, je vais quitter. Attends. Tu pars où? Je vais récupérer mes affaires. Là où on avait loué, là, quand on voulait quitter là-bas, là, est-ce que tu as amené quelque chose ici? Parce que tu as vu que j'ai l'argent, ma grand-mère m'a envoyé de l'argent. Tu as amené tes affaires ici. C'est seulement mes trucs qui sont dedans. Donc, ne pense même pas rentrer.